Bienvenue à vous tous. Après deux ans de rupture à cause de confidos politiques. Mais heureusement que ce soir vous êtes là. Nous remercions l'église Saint-Julien du Pau et à sa tête le père Nadim Haddad, l'écuré, qui nous accueille volontiers et gracieusement en mettant tous les services à notre besoin de ce soir. Donc, au nom du président de l'association ECHO, Antoine Chéré, et les membres du conseil d'administration, et à mon nom en tant que trésorier de l'association, nous avons la joie de vous accueillir après cette rupture, bien que l'année dernière, le père Haddad a bien accepté qu'on enregistre 5 chorales dans cette église et qui a été diffusée en direct sur Internet. Cette année, elle est en présentiel, en votre présence. J'espère que les 7 chorales qui vont nous interpréter de super chants liturgiques traditionnels vont nous enchanter. Donc, dans le programme, vous avez 2 parties. La première partie est composée de 4 chorales. Il commence avec le chorale de l'église Saint-Julien-le-Pau, ensuite la chorale grégorienne de Notre-Dame de Lys, la chorale copte orthodoxe et la chorale romaine orthodoxe. Après cette première partie, il y aura une sorte de petite pause pendant laquelle il y aura la prière universelle de chaque chorale. Et la chorale Melkite va nous interpréter les Kyrie Eleison et toute l'assemblée répondra à la mélodie qu'ils vont nous interpréter. Donc maintenant, il y a le mot de Père Haddad, le mot d'accueil. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Al-Masih Qam. Christos Anesti. Chers amis d'ordre religieux et civil, chers tous, nous voici assemblés à Saint-Julien-le-Pauvre grâce à l'initiative bien appréciée d'ECHO pour ce 13e concert inter-ecclésial. Crée en moi un cœur pur. Ce moment de transcendance et de fraternité, nous le vivons en pleine communion avec tous les Orientaux en France et avec tous les amis français qui, chacun selon leurs responsabilités et moyens, n'ont jamais oublié notre bien-aimé Levant. Mesdames et messieurs, le Dieu qui nous habite est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il est fondamentalement souplesse, ouverture et vie. Nos engagements et nos parcours peuvent être diversifiés et distincts, mais le début commun de notre aventure chrétienne reste cependant irréfragable. Un cœur fragile qui a été touché et renouvelé grâce à l'Esprit. Ce cœur converti, purifié, soulagé, consolé et rendu tendre élève maintenant sa prière et son action de grâce à Dieu. Ce cœur converti désire continuer aussi sa conversion et s'ouvrir davantage à la miséricorde divine. En fait, à un moment donné, il faut commencer à vivre d'une façon nouvelle, d'une façon renouvelée, ce que nous chantons. À un moment donné, il faut que les bonnes intentions et les sublimes sentiments exprimés par les plus beaux chants s'incarne. Chers frères et sœurs, à chaque fois que nous scrutons notre cœur, soyons sûrs
que nous allons rencontrer le Fils, qui est essentiellement délivrance et joie. Plus qu'une agréable occasion pour nous revoir après un éloignement biennal involontaire, notre concert aujourd'hui est aussi un vrai message d'espérance pour nos églises. La rencontre de nos différentes traditions liturgiques aujourd'hui, ce florilège de plusieurs expériences mystiques traduites en musique sacrée, exprime d'une manière éloquente que nous aimons nos églises. Nous aimons nos rites. Nous aimons nos communautés, nos pasteurs et nos frères et sœurs. Nous confessons que Dieu est avec nous, il est à l'œuvre, il est en action, il est en train d'agir dans notre histoire, car il est le Seigneur de l'histoire. Merci, Écho, pour cette fête, pour ce printemps qui nous a tant manqué. Merci à tous les chantres et à tous les musiciens. Bienvenue à tous et bonne prière. Merci Père pour ces encouragements. Il me revient de vous adresser deux mots de la part de l'association Écho. Après les consignes pratiques de Sovi, après la présentation spirituelle de ce concert à la lumière du psaume 50-51, psaume de pénitence et à la fois d'espérance en le renouvellement de la personne par l'œuvre de l'Esprit Saint. Il me revient juste de vous rappeler que l'association Écho ici se réjouit avec vous de célébrer avec vous la 13e édition du concert interecclésial, et que ce concert est une des multiples manifestations de l'activité de l'association Écho. Écho a été fondée il y a donc bien 13 ans et un peu plus pour approfondir les origines du christianisme et ainsi se plonger dans l'unité de l'Église, le corps mystique du Christ. Comme nous le savons, l'époque apostolique nous est quasi inatteignable. L'époque apostolique, en effet, a participé à une culture qui a totalement disparu, une culture orale d'un côté et une culture juive de l'autre. Et néanmoins, des éléments indispensables de cette culture qui a façonné le christianisme du point de vue de sa foi, mais aussi de sa spiritualité pratique, sont restés vivants à travers les différentes églises qui sont nées au cours des siècles. Les liturgies que aujourd'hui nous pouvons rencontrer sont toutes nées à partir du 4e ou 5e siècle. C'est-à-dire que nous ne saurons jamais exactement comment les apôtres chantaient, comment ils célébraient, et nous n'avons même aucun document véritablement suffisant pour pouvoir connaître l'époque apostolique en dehors de nos saints évangiles. Aujourd'hui, nos églises sont donc divisées en styles. Certaines sont nées dès le 4e, d'autres après, le 5e, le 6e, d'autres même au cours de l'an 1000, des églises qui ont puisé dans un patrimoine commun qui était d'abord celui de Jérusalem, et puis ensuite qui se sont diversifiées. À travers les nombreuses voies de l'Église, nous espérons retrouver quelque chose de l'unité première, de transcender, évidemment, comme l'a dit le Père, nos différences par la foi commune, la foi mystérique et mystique que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de nous enrichir de ces éléments des origines. Écho ainsi enseigne sur ce que devait être au mieux, selon nos documents et nos connaissances actuelles, l'Église des apôtres,
particulièrement en promouvant l'oralité, mais en promouvant aussi les recherches historiques et aussi la rencontre inter-ecclésiale. Aussi, ce concert est un moment de prière pour nous tous, de conversion évidemment, un moment d'unité avec le Christ et un moment d'unité avec les frères en Christ, et au-delà de tout ça, une unité avec les apôtres qui sont les fondements éternels de l'Église. Encore aujourd'hui, ce sont nos pasteurs qui, à travers leurs successeurs et à travers le mystère de la grâce, eh bien, ne cessent de nous conduire. En espérant que ce moment soit pour vous un moment de véritable renouvellement de votre foi dans l'illumination de l'Esprit Saint et une plus grande unité dans l'Église, je vous souhaite eh bien, une très belle audition. Amen. L'Église grecque melkite catholique, son patriarche actuel, sa béatitude Joseph Habzi, patriarche d'Antioche, de Jérusalem, d'Alexandrie, de tout l'Orient, réside actuellement à Damas en Syrie. Liée à Rome, cette église a été fondée par Saint-Pierre. Et on existe plusieurs paroisses en France, dont la plus connue, ici, à Saint-Gilles-le-Pauvre, à Paris. Son curé, le père Nadim Adam, Haddad. Sa chorale est représentée par Tony Crowley, ainsi que d'autres solistes, Nicolas Varambourg, Nizar Abourater et Nadim Adam. Oh.
L'Église latine de Rome en France est fondée par Pierre et Paul. Pendant que les apôtres partaient à Antioche, au moment de la première persécution de 37 à Jérusalem, d'autres proches de Jésus partaient dans le sud de la Gaule, en Provence, où arrivèrent Marie Salomé, Marie Jacobé, Marie Madeleine, Maximin, Sidoine, Lazare. Pierre, lui, arrivé en Italie à Rome en 42 et Paul en 57. Dans ces pays latins, naquit une église hébréo-latine dont le patriarche est à Rome. La communauté latine grégorienne qui présente le diocèse de Paris et la paroisse de Notre-Dame de Lys, Riblomé dans le 15e arrondissement. Et la chorale qui chante, c'est la chorale grégorienne de Notre-Dame de Lys, représentée par Alexandre Diron, à ma droite, Guy Chevalier et M. Denis Champin. Merci Sobi. Bon, la chorale Notre-Dame du Lys est ce qu'on peut appeler une petite chorale paroissiale, et notre ambition aujourd'hui sera de témoigner très humblement de l'implantation de cette tradition latine au sein des paroisses en France. Donc c'est du grégorien traditionnel, musique médiévale, que nous allons chanter pour vous ce soir. Nous avons choisi les chants en fonction du thème de ce concert. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Par ces paroles, le roi David invoquait l'aide de Dieu pour son propre salut et à titre personnel. Mais savait-il que cette intervention divine allait s'étendre à toute l'humanité? Et cela tant pour la pureté du cœur que pour la disposition de l'esprit. Voilà. C'est donc la pureté du cœur va être traduite ici par le sacrifice de Jésus sur la croix, Jésus fils de Dieu, et sa résurrection qui atteste de cette divinité. Quant à l'esprit bien disposé, bien évidemment, nous penserons à la Pentecôte et à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et à travers eux, à toute l'humanité. C'est cette double action divine que nous avons choisi de vous chanter pour évoquer successivement les étapes de notre rédemption par notre Seigneur. Nous chanterons successivement le Vexilla Regis pour retracer sa passion qui mêle intimement la royauté du Christ et son sacrifice absolu. Le Victime Pascali Laudes, c'est du latin tout ça, le Victime Pascali Laudes, pour exprimer l'étonnement, l'émerveillement des saintes femmes devant le tombeau vide et l'annonce par l'ange de la résurrection. Le Salve Festa Dies sera chanté pour rappeler la joie toute pure qu'apporte au peuple de Dieu la résurrection du Sauveur. Et enfin, nous terminerons pour évoquer cette venue du Saint-Esprit par la séquence très connue de Pentecôte, Veni Sancte Spiritus. Alors, par un malheureux concours de circonstances, sur les petits feuillets que vous avez, ne figurent pas les traductions des chants, donc on ne va pas prendre le temps de les traduire complètement, mais avant chaque chant, on va quand même vous dire de quoi ça parle. Voilà. Nous allons commencer par le Vexilla Regis, qui est une hymne qui se chante le dimanche de la Passion, donc avant Pâques, et qui célèbre la rédemption de tout l'univers par la mort de notre roi, fils de Dieu, sur la croix. Et les paroles, je vous la fais brève, les paroles veulent dire «
les étendards du roi s'avancent et il resplendit comme l'éclair le mystère de la croix. Salut, ô croix, notre unique espoir, victoire absolue sur le mal, toi qui as eu l'honneur de porter le corps ensanglanté de notre roi. Ah, et j'ai oublié de vous dire que je dirige cette chorale depuis déjà une dizaine d'années et que le moment est venu de passer la main. Et donc, c'est la deuxième partie, les deux derniers chants seront dirigés par Jacques Roseau qui va reprendre la chorale après moi. Une séquence qui se chante le jour de Pâques. Et en quelques mots, voici ce qu'elle signifie. Dites-nous, Marie, qu'avez-vous vu par le chemin ? J'ai vu le sépulcre vide, le suaire et les linges, et les anges qui témoignaient de la gloire du ressuscité. L'agneau a racheté les brebis, la mort et la vie se sont livrés un combat extraordinaire. Le chef de la vie, qui était mort, règne vivant.
Pascal et Laodès célébraient le matin de Pâques, la résurrection a découvert devant le tombeau. Nous allons vous chanter aujourd'hui, là maintenant, le Salve Festa Dies, qui est un chant de procession et qui célèbre vraiment le mystère de Pâques dans son accomplissement, dans la renaissance de la grâce, en parallèle avec la renaissance de la nature. Donc ce chant dit, bah, célébrons ce jour où tout l'univers célèbre Dieu, où le Seigneur a vaincu la mort. Spiritus et Trinitate Celitus.
l'Église copte. C'est une Église apostolique, selon la tradition. Elle est fondée par Saint Marc en l'an 59 du 1er siècle. L'Église copte est composée des coptes orthodoxes en majorité et des coptes catholiques. L'Église copte fait partie de l'ensemble des églises de trois conciles. Son chef porte le titre de pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et de toute l'Afrique. Actuellement, le pape copte d'Alexandrie, il s'appelle Tawadros II. L'Église copte est renommée d'être la première église de la vie monastique ainsi que des martyrs. La chorale qui représente l'évêché copte est dirigée par Michael Béchaï. Tfadal. Pitié pour moi, mon Dieu, en ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute et purifie-moi de mon offense. Oui, tu connais mon péché, ma faute est toujours devant toi. Oh.
exalté je serai Dieu. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne tes fesses de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Compréhension, nos pensées, nos intentions, afin qu'avec un cœur pur, une âme illuminée, un visage sans confusion, une foi sincère, un amour parfait et une espérance inébranlable, nous osions avec confiance et sans crainte nous adresser à toi, ô Père Saint qui es aux cieux, et te dire. Oh.
L'église roumaine orthodoxe, fondée par l'apôtre André vers le début du 3e siècle, et selon la tradition ecclésiastique, il aurait été martyrisé sur une croix en X à Patras. C'est en l'année 311, sous l'empereur Galerius, que la liberté de religion avait été décrétée. À Paris, la paroisse roumaine des Saints-Archanges se trouve au 9 rue bis Saint-Jean de Beauvais, à Paris. La chorale est dirigée ce jour par Mademoiselle Creïta Roubaud. Yonut Fortuna, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Depuis, on chante à la liturgie, à la cathédrale de Saint-Archange, et aussi dans d'autres paroisses qui font partie de la métropole orthodoxe romaine, et pas que ça. Alors, cette chorale est très dynamique, elle change souvent des choristes. On a eu le plaisir d'avoir Valentina Dascalo qui est maintenant au conservatoire, Mademoiselle Creïta Roubaud qui va nous diriger aujourd'hui, qui a fait le conservatoire. Et parmi nous, en fait, on est juste des amateurs de musique, on n'a pas d'études en musique, mais on chante avec nos cœurs. Donc aujourd'hui, on va chanter quelques chants byzantins après le salut pascal de Christ est ressuscité. Thank you.
Esprit accorde sa bénédiction spirituelle à ses saintes églises. Puissions-nous achever les jours de notre vie sans chute, par la grâce, la miséricorde et l'amour du jour humain de ton Fils unique Jésus-Christ et le don de ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Mystère.
L'église maronite. Au IVe siècle, à Paris, Maroun, un moine anocrète syriaque. Elle fut très célèbre et par son exemple de vie, il a vu rassembler autour de lui les chrétiens des régions voisines, Homs aujourd'hui. La vacance prolongée du siège patriarcal chalcédonien suit à l'assassinat des patriarches en 610, la conquête arabe de la Syrie en 634 et les querelles doctrinales ont obligé le groupe de Beth Maroun à quitter la Syrie pour se réfugier auprès d'autres confréries installées au Mont Liban. En 687, ils élirent leur premier patriarche avec la confirmation et l'approbation du pape de Rome. Ce fut un moine appelé Jean Maroun. La communauté maronite devint alors une église autocéphale. La communauté maronite est la plus importante des chrétiens d'Orient en France. Elle a plusieurs églises et une éparchie avec Monseigneur Nasser Gemayel, le patriarche et le cardinal Mar Nasrallah Rai. Le nouveau curé de Notre-Dame du Liban est Monseigneur Barak Rokouz. La chorale est dirigée par Elias Albona. Voici la chorale des jeunes de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris. La chorale a été fondée en 2016 par des étudiants au sein de la paroisse libanaise. Notre église est l'église maronite qui suit les traditions et les rites syriaques et maronites d'Antioche et d'Orient. Donc cette église catholique a été fondée par le premier patriarche Saint Jean Maroun au VIe siècle et a comme saint patron Maroun. Elle est fortement présente au Liban. Aujourd'hui, nous vous présenterons un mélange de chants traditionnels et modernes. Le premier chant liturgique est une invocation au Seigneur. Ensuite sera interprété le chant 4, qui est un chant marial très ancien, représentant l'héritage maronite. Il sera suivi par les chants 2 et 3, et les traductions sont dans le livret. Merci. Thank you.
grec orthodoxe, de tradition jacobite fondée par saint Pierre à Antioche, le patriarche actuel et sa sainteté Ignace Ephrem II, résidente à Damas en Syrie. L'église Sainte-Marie, Mère de Dieu, se trouve à Montfermeil. Le curé et le père Yacoub Eydin y ont aussi construit cette église de ses mains. Cette communauté, originaire de l'est de la Turquie, se trouve actuellement au nord de l'Irak, dans le Kurdistan, parle l'araméen. La chorale de ce jour est dirigée par Madame Najwa Karwadji. وفي دربي وبي
La dernière chorale est la chorale de l'Église grecque-orthodoxe.
Au 1er siècle, l'Église orthodoxe de Constantinople a été fondée par Saint André. Cette Église fait partie des sept Églises orthodoxes qui sont en communion et qui s'y réclament de la théologie des sept premiers conciles du christianisme. L'Église grecque est fondée par Paul et elle célèbre sa liturgie selon le rite byzantin. La paroisse de Saint-Stéphane, Saint-Étienne, se trouve au 7 rue Georges Bizet, dans le 16e arrondissement. Elle est représentée aujourd'hui par son éminence, le métropolite de France, Monseigneur Démétrios Plomis, qui vient d'arriver donc en France, et la chorale est dirigée par M. Taklis Lampros. Merci. Ελεήμον ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Demandons au Seigneur de nous retrouver encore maintes fois, tous ensemble dans cette unité que nous voulons bâtir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Merci, Père. Merci.